Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va présenter le nouveau Fond Vendôme Fortivan. Sur ce véhicule-là, qui est différent, c'est qu'on est sur un véhicule 4 roues motrices. Donc on a 4 vraies roues motrices. On est sur un véhicule qui est équipé par Ford, d'origine de 4 roues motrices. C'est pas un véhicule modifié après, ensuite. Donc on va vous expliquer comment fonctionne le 4x4 sur ce modèle-là. Donc, de série, on est équipé avec une bande LED sur l'extérieur pour l'éclairage extérieur, d'un grand marchepied. Donc, en type d'implantation, comme on est sur un véhicule de moins de 6 mètres, on est sur un lit transversal. Donc, la plupart des véhicules, des fourgons sont en lit transversal. Donc, on va avoir des espaces de stockage. Donc, premier espace de stockage sur l'étagère, deuxième espace dessous. On va pouvoir, si on veut, transporter des choses un petit peu plus importantes et encombrantes. On enlève l'étagère et là on se retrouve avec une hauteur plus importante. Donc on retrouve le coffre à gaz. On a la possibilité soit de mettre une bouteille 13 kg, soit deux de 6 kg au choix. Sachant que sur ce véhicule-là, la bouteille de gaz va servir uniquement à la plaque de cuisson. On a la douchette extérieure, douchette eau froide. Donc on va retrouver d'autres espaces de stockage, cette fois-ci sous le lit. Donc là, un grand espace de stockage avec une porte latérale, on est axé par-dessous. Deuxième espace de stockage, qui se retrouve sous le lit. Donc cette fois-ci plus petit. Ici, là, on a la partie technique avec le chargeur, le disjoncteur, l'espace fusible et les coupes batteries. Et la dernière, c'est aussi un espace de stockage. On retrouve la prise P17 et le branchement électrique sur la partie arrière. Ça, c'est la cheminée du chauffage. Donc sur ce véhicule-là, on est sur un chauffage combidé qui fonctionne avec le réservoir à gasoil. C'est pour augmenter l'autonomie. La cassette DVC, donc on est sur la même cassette, un classique 19 litres qu'un camping-car. On va retrouver le remplissage d'eau et le pare-buffle. Alors on est d'accord, le pare-buffle, on est sur une question esthétique. Donc on a aussi de série les phares longue portée, les anti-brouillards, les pare-chocs peints. En motorisation, on est sur un 170 chevaux. Sur ce véhicule en boîte manuelle. Donc on a une partie salon avec sous ce petit siège un espace stockage. Donc on n'a jamais trop d'espace sur les fourgons de stockage. Là c'est le cas. On a une partie rangement sur le dessus, une aussi ici qui est décaissée pour éviter que les choses tombent sur la table par exemple. Et le placard. Le placard ne vient pas jusqu'à la paroi, tout simplement parce que c'est ici où on peut mettre la télévision sur un support coulissant. On va retrouver sous la banquette notre réservoir. Donc là, on est sur un réservoir d'eau propre de 100 litres. Sur la table, donc on appelle ça la table SNCF, tout simplement parce que pour pouvoir rentrer sous la table, plus facile, on enlève la petite tablette. On la remet une fois en place. On a aussi une rallonge pour que les invités puissent avoir accès à la table. Cabinet de toilette. Dans le cabinet de toilette, on retrouve un placard de rangement et un deuxième sous l'évier.
Le WC classique Thetford, c'est un WC pivotant. Ça, c'est la bouche de chauffage du chauffage Truma. Donc, on est sur un rideau de douche. Le Kaiboti. Kaiboti, c'est toujours sympa. Ça évite de mettre les pieds en permanence dans le bac à eau. On a le lanterneau. Ça permet de ventiler sur un espace très confiné où pouvoir s'accumuler un peu d'humidité. Donc, le lanterneau, c'est quand même très important. Donc, on est sur une porte plastique. Donc, côté cuisine. On a un éclairage à LED, tactile, placard de rangement supérieur, on va être sur un espace de feu, placard, donc c'est des placards qui sont placés sur l'amortisseur. Et le troisième, le casserolier. Pour ce qui est du réfrigérateur, donc c'est un réfrigérateur à compression. Donc on va fonctionner uniquement sur le 12 volts. L'avantage de ce type de réfrigérateur, c'est que peu importe la température extérieure, ça ne va pas jouer sur les performances du frigo. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'a pas du coup des grilles, on n'a pas de grille extérieure. Donc partie arrière, on va retrouver du rangement à droite. De ce côté-là. Et ici, on est sur une penderie. On va retrouver des pochettes de rangement, petites pochettes, un éclairage à LED tactile. On a la possibilité aussi de soulever le lit. Voilà. Soulever la tablette. À l'occasion, si on veut transporter des grandes longueurs, des choses un petit peu plus grosses, des meubles, des cartons, avec en soulevant le lit, en enlevant l'ensemble des tablettes, on peut faire du transport. Donc couchage transversal, on vous remettra les dimensions juste en haut. Sur la partie cabine, donc de série sur ce véhicule-là, on va avoir le poste avec les commandes au volant. On a la climatisation. On a le support GPS ou téléphone, prise 12 volts, prise USB, donc la prise USB est donc reliée avec le poste. On va se retrouver aussi avec une prise allume-cigare ici. Et sur le Ford, ce qui est agréable, c'est qu'on a pas mal de stockage sur les parties supérieures, les boîtes à gants. On a le petit support pour canettes. En équipement de série, on a aussi le limiteur. Et le régulateur de vitesse. Et vraiment le point fort du véhicule, c'est son mode 4x4. Donc le mode 4x4 est ici. En mode classique, le véhicule est en propulsion. Le mode 4x4 va s'enclencher de deux façons. La première façon, c'est la mode automatique. Donc c'est lui qui va le gérer. À partir du moment où il va détecter que les roues arrière patinent, parce que si vous êtes sur un chemin, parce que vous êtes sur de la neige, des choses comme ça, à ce moment-là, les roues avant vont aussi être entraînées. Et donc, on va passer sur un mode 4x4. La deuxième solution, c'est ce bouton-là. Et à ce moment-là, vous enclenchez manuellement le mode 4x4. Donc, c'est un véhicule 4 places carte grise. On a deux couchages avec le lit transversal à l'arrière. Et on a la possibilité aussi de faire un couchage sur la partie avant. Très honnêtement, ça reste un couchage d'appoint. Le véhicule est destiné pour la plupart des gens pour deux personnes. Donc, pour récapituler sur le véhicule, donc on est sur un porteur Ford Transit, 170 chevaux, 2 litres, qui est en 4 roues motrices, 5,98 m de long, 2,75 m de large. Et donc ce véhicule est proposé au prix de 54,321. Donc retrouvez toutes les infos du véhicule dans la description. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo et on vous souhaite une bonne utilisation et un bon voyage. Bonjour Bertrand. Et bienvenue sur notre chaîne. Enchanté, ravi également. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à nos 2-3 questions. Peux-tu te présenter, Bertrand, dans un premier temps ? Oui, donc Bertrand Beauchaud, je suis le directeur commercial de Périgord Véhicules de Loisirs,
depuis de nombreuses années, puisque je suis dans l'entreprise depuis 2000. Donc ça fait 20 ans cette année que je travaille pour Périgord Véhicules de Loisirs. D'accord. T'as donc connu toute l'évolution de Périgord VDL, de l'aménageur simple jusqu'à aujourd'hui le constructeur, qui est la propriété de Trigano. C'est ça même, oui. Périgord Véhicules de Loisirs a été créé en 1978, spécialisé dans la fabrication de fourgons aménagés, puisque l'entreprise ne fait que cela. On compte aujourd'hui un peu plus de 200 collaborateurs et on fabrique et livre environ 2300 véhicules partout en Europe. Alors il est vrai que lorsque je suis arrivé, nous fabriquions à peine 70 véhicules par an. Nous avons été rachetés par le groupe Trigano en 2004, qui a permis forcément une nouvelle ouverture sur un marché en pleine expansion, avec une création à Brantôme donc d'une nouvelle usine, donc d'un nouveau site de production, qui a permis le développement de la marque pour arriver aujourd'hui à être le numéro 1 en France des constructeurs de fourgons aménagés. Donc c'est une belle réussite et effectivement j'ai vécu cette évolution et continue encore à la vivre, et encore pour de nombreuses années, je l'espère. On l'espère aussi. On va parler du Fortiman, véhicule qui est sur la présentation aujourd'hui. C'est un véhicule qui avait, en tout cas le porteur Ford, qui avait disparu au catalogue en 2018 et en 2019 chez Fonds Vendôme. Qu'est-ce qui a poussé Fonds Vendôme à réutiliser le porteur Ford cette année ? Alors, juste pour rappel et petit historique, il faut savoir que le premier Fortiman date de 2011. Il a été longtemps chez nous le numéro 1 des ventes. Bon, en 2016, Ford a sorti le nouveau Transit, avec donc un tarif beaucoup plus élevé que ce que par le passé. Donc forcément, du coup, avec un aménagement toujours aussi fonctionnel du Fortiman, son prix s'est retrouvé hors marché. Et à contre-cœur, on a dû prendre la décision de le retirer du catalogue parce que c'était un véhicule qui ne se vendait plus. Mais nous réfléchissions en parallèle à une alternative. Et l'alternative pour le Ford Transit, ça a été le 4x4. Car vraiment, c'est un vrai tout-terrain. Et aujourd'hui, à un prix avec équipement très, très attractif, puisque le véhicule démarre à 52 490 euros avec le 130 chevaux. Donc très, très loin de la plupart des concurrents 4 roues motrices que l'on peut retrouver sur le marché du fourgon aménagé. D'accord. Après, on est sur un vrai 4 roues motrices. On n'est pas sur une motricité renforcée. On est sur un 4 roues motrices d'origine Ford. On n'est pas non plus sur un véhicule de franchissement, c'est pas le but de ce véhicule-là. Non, c'est pas forcément effectivement donc le but du véhicule. Le fait d'être un 4 roues motrices permettra d'avoir une sécurité à 100% sur l'utilisation du véhicule, que ce soit partant de fortes pluies, partant de verglas, partant de neige, ou lorsqu'on va se retrouver sur un chemin un peu boueux, sur un franchissement léger. Quoique, si vous regardez les vidéos réalisées par Ford sur le véhicule, même nous avons fait des essais, je peux vous dire qu'il est assez bluffant dans les franchissements. Concernant maintenant la construction de ce Fortiman et les équipements intérieurs, ils sont semblables aux autres modèles de la marque. Tout à fait, oui. Le Fortiman est fabriqué sur le même process que les autres modèles de la marque, avec les mêmes points forts que nous avons, c'est-à-dire déjà l'isolation renforcée, puisque nos véhicules sont entièrement isolés. Ça va du plancher, en passant bien sûr par tout ce qui est traverse, paroi, porte arrière également. Donc là, nous sommes l'un des rares, si ce n'est le seul à le faire. Nous avons un mobilier 100% stratifié. Pareil, nous sommes le seul à avoir un mobilier 100% stratifié. Nos parois intérieures 100% polyester, donc gage de d'isolation à la fois donc thermique et également phonique, mais également facilité dans l'entretien, dans la réparation, et également donc après avec un haut niveau d'équipement, puisque nos véhicules sont entièrement équipés, donc permettant donc une utilisation optimale de nos véhicules. Donc, merci Bertrand d'avoir passé ces quelques minutes ensemble. Merci d'avoir répondu à nos questions et on se dit à bientôt. À très bientôt. En tout cas, j'ai été ravi de participer à cette collaboration et puis je souhaite une longue vie à cette nouvelle chaîne YouTube et puis félicitations pour sa création et puis bonne route à tous.